Ahmed Obi Menyo. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La paix de Dieu habite en nous. Prenons le temps de la prière. La sœur est le bon Seigneur. Est dans le Seigneur. Lorsque la divine sagesse entre dans une âme, elle y apporte avec elle toutes sortes de biens et lui communique ses richesses innombrables. Le premier oui, à l'entrée au pré-noviciat et à la première profession religieuse, renouvelé sans cesse au fil des jours, a conduit les sœurs, Abouta Jocelyne Bénédicte Marie, Agboku Sandra Delalus, Gacho Irène Werimu, Razana Tsoa et Ma Célestine de l'Enfant Jésus, à prononcer haut et fort un oui à Dieu. À l'instar de la Vierge Marie et sur les pas de leur fondateur, Saint François de Sales et Sainte Jeanne Françoise de Chantal, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en ce 15 août 2022. Un jour significatif pour elles, filles de la sagesse, qui célébreront la fête de l'Assomption. Attirées et séduites par la sagesse, pétries et transformées par les nombreuses grâces de son amitié et habitées du désir ardent de l'aimer et de la suivre jusqu'au bout, les jeunes sœurs se sont engagées dans ce chemin de bonheur, avançant au large dans la barque de l'Église, en compagnie d'anciennes et de jeunes comme elles, pour vivre et faire vivre de l'amour inconditionnel et sans frontières de celui qui l'appelle. La célébration eucharistique aux couleurs de l'amour a permis de goûter la saveur de la dimension interculturelle de la congrégation à travers la présence de communautés béninoises, malgaches, kényanes et togolaises. Présidé par Mgr Benoît Alouonou, évêque de Kpalimé avec l'accompagnement liturgique de la chorale Écho du Ciel, l'Eucharistie de la profession a réuni comme en une seule et même famille, celle de Dieu Trinitaire, membres de la famille et amis, religieuses et religieux de plusieurs congrégations, prêtres, accompagnateurs, jeunes en recherche, aspirantes, pré-novices et filles de la congrégation. Les jeunes de la chorale Écho du Ciel, de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, de Kpalimé Zotzekondi ont exécuté solennellement et harmonieusement de leur voix angélique les chants de la messe, aidant ainsi l'assemblée au recueillement, à la louange et à la prière. L'ordre de la visitation répond profondément à un besoin d'âme du temps des deux fondateurs. Cet appel d'air continue de s'exprimer au cœur de l'Église par l'accent porté sur la douceur et l'humilité à force de contempler le Christ doux et humble de cœur. Il faut rappeler que, le 6 juin 1610, Saint François de Sales et Sainte Jeanne Françoise de Chantal fondent la Visitation Sainte Marie sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour donner à Dieu des filles d'oraison, si intérieures, qu'elles soient trouvées dignes de l'adorer en esprit et en vérité. Je ne peux parler sans dire merci à Dieu. Peut-être ça fait au moins 3 ans et demi que j'ai quitté la maison pour suivre le Christ. Et
Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile quand on les entend. Il y a toujours la croix sur les chemins. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir dire oui, de faire un pas encore dans notre congrégation. Et en ce jour, grande est ma joie. Parce que c'est comme si ça fait longtemps que j'ai entendu ce jour. Et le Seigneur m'a soutenu avec les prières de nos sœurs et des autres membres de ma famille. Je suis arrivée à vous jusqu'à ce jour. Donc je dis merci à tout le monde et que le Seigneur continue toujours par me soutenir sur la voie, sur le chemin de la sainteté. Je profite aussi pour dire aux aspirants, ceux qui désirent intégrer une congrégation, qu'il y a plusieurs congrégations, mais il n'y a pas quelque part où c'est facile. Donc persévérer. Et l'espérance ne déçoit jamais comme le dit-on. Et avec la force et la grâce du Seigneur, on arrive toujours à atteindre le but fixé. Donc, que le Seigneur lui-même soit à nos côtés, soit notre force de chaque jour. Dans l'homélie de l'évêque, il a invité nos filles à la prière pour qu'elles puissent vivre leur vie pleinement, leur donation entière au Christ et à l'Église dans la prière. Sans la prière, on ne peut pas être ni chaste, ni obéissant, ni pauvre. Donc, c'est son invitation à l'observance de la prière à toucher. Tout d'abord, il faut faire l'aspirana, le postulat, le noviciat. Le noviciat dure 2 années chez nous. Une année dans la maison de noviciat, la seconde année que nous appelons année pastorale dans une de nos maisons, de nos communautés. Après cette seconde année, elles reviennent dans la maison de la formation, c'est-à-dire dans la maison de noviciat, pour professer leurs vœux, si elles sont idoines, c'est-à-dire si elles ont été choisies pour professer les premiers vœux, comme les vœux. Donc disons, après 3 années, 4 années, tu peux faire les vœux temporaires, les premiers vœux que nous venons de célébrer en ce jour. J'aimerais simplement leur dire, courage d'avancer. Ce qui est primordial, si elles sentent l'appel du Seigneur au-dedans d'elles-mêmes, c'est le bon départ. Donc de foncer, d'avancer, d'être attentive à ce que le Seigneur lui-même leur dit au-dedans d'elles-mêmes, puisque c'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit. Nous, nous sommes là seulement comme un apport. Donc, elles doivent nécessairement écouter la voix qui leur parle intérieurement. Si chemin faisant, elles viennent, on voit que le Seigneur, avec le discernement, les attend, ou bien les a appelés à cheminer avec nous, elles y restent. Dans le cas contraire, on les réoriente. Donc elle peut aller frapper à d'autres portes de la vie religieuse. Et je suis sûre qu'on va les accueillir. Puisque notre vie est une vie sacrificielle, tout donné. Donc tout donné, si tu ne te donnes pas totalement à ce pourquoi tu te donnes, tu ne peux pas servir le Seigneur ni les frères. Donc ça nécessite une joie intérieure, une vertu intérieure qui te lance pour embrasser cette vie. Amen, don't be menu. Jamais, boy, I